Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RT Télévision. C'est la dernière soirée consacrée à ce mois sacré, le mois de jeûne de Ramadan. C'est le quatrième pilier de l'islam avec nos nombreux invités ce soir. Nous allons revivre ensemble quelques moments de ces 30 jours. C'était l'Aïd vendredi dernier et nous allons aussi longuement parler de cette grande journée qui clôture cette période, ces 30 jours de mois de Ramadan. Un mois de Ramadan, une édition 2018 aussi pour la planète, au cœur de la planète, un geste pour la planète, évitons de gaspiller. C'est un spot réalisé par Shaira Aïd Belkacem lors de l'édition 2017. 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahr al-Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Maîtriser, se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jal a dit: Koulou wa shrabou, wala tusrifou. Mangez et buvez sans gaspiller. Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble. 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 Ensemble pour le Ramadan sans gaspillage. Voilà, j'espère que vous n'avez pas beaucoup gaspillé pendant ce mois de jeûne de Ramadan avec nos invités ce soir. Ils seront nombreux. Nous allons revenir sur ces 30 jours de jeûne. C'est le quatrième pilier de l'islam après la zakat, après la prière, qui est la salade, après le hajj, qui est bien évidemment ce grand moment. Si vous avez la chance de le vivre à la Mecque, ils sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les trois. Nourdine Aoussad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes imam, bienvenue à vous. Vous nous avez fait aussi l'honneur d'être parmi nous pendant ces 30 jours de Ramadan. William Maghrebi, bonsoir William. Bonsoir, c'est moi. Merci William, vous êtes psychologue et vous êtes consultante chez nous, notamment autour des questions liées à l'islam, entre autres. Et puis Amin Adadi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes aussi imam et nous allons revenir avec vous sur ce premier plateau pour cette première soirée, la signification et comment s'est passé ce mois de Ramadan. Alors c'est la première question que je vous pose, Amin Adadi. Ce Ramadan, pour vous, en quelques mots, et les personnes que vous avez rencontrées, c'était plutôt bien, ça s'est plutôt bien passé? Dieu merci, alhamdoulilah, ça s'est bien passé, oui. C'était certes des journées très très longues, mais les gens étaient présents, on voyait la joie de la présence de ce mois du Ramadan. Et alhamdoulilah, déjà, on a jeûné tous en même temps, il n'y avait pas cette différence de date, alhamdoulilah. Et bien sûr, les gens étaient dans la joie et le bonheur de jeûner ce mois du Ramadan. William Maghrebi, même question, d'abord peut-être pour vous et vos proches, et puis les personnes, vous avez une patientèle, vous êtes psychologue, est-ce que, d'un point de vue général, ce Ramadan s'est plutôt bien passé cette année? Très bien, on doit admettre qu'on a eu un temps absolument clément, on a eu beaucoup de chance, contrairement aux années précédentes, on n'a pas eu très chaud. Le manque de sommeil, bon, je pense que ça a été partagé par tout le monde. Alors moi, ce que j'ai pu observer, en tout cas dans les personnes autour de moi, mais même moi, ma propre expérience, c'est que ça a vraiment été une année d'introspection, de remise en question, de réflexion, et également de pardon et de demande de pardon. Nourdine Aoussad, vous rejoignez, William Maghrebi, cette philosophie, cette introspection,
Vous l'avez ressenti ? Absolument. Je dirais que le vendredi, ça coïncidait déjà l'Aïd cette année avec le vendredi qui est déjà la fête hebdomadaire. Donc, c'est une double fête. Donc, on ressentait, on voyait bien la joie se dessiner sur les visages de tous les fidèles, enfants, femmes, vieillards, etc. C'était vraiment une excellente journée de fête. Amina Dadi, vous êtes imam. En quelques secondes, est-ce qu'on pourrait donner les clés, les principales clés que dit l'islam sur ce ramadan ? L'islam, bien sûr, nous indique que le mois du ramadan, c'est un des piliers de notre religion, bien sûr. Et moi, ce que j'ai remarqué durant ce mois, c'est que, alhamdoulilah, même avec le Cheikh Nourdin, on a eu un planning assez important. Donc, on s'est déplacé dans les mosquées, on a fait des conférences et on a vu cette influence très, très importante. Des mosquées étaient pleines à partir de 18 heures les gens attendaient cette conférence, cette assemblée, cette assise où les gens les voyaient assoiffés afin de poser ces questions. Et c'était une occasion pour eux de se détacher de Cheikh Google et de poser la question en direct à ce Cheikh ou à ce professeur ou à ce conférencier, cet imam qui était présent, afin de lui poser cette question en direct sur des questions qui concernent le jeûne, bien sûr, ou c'est des questions d'ordre général ou sur la zakat, ou bien sûr se préparer pour l'Aïd qu'on a fêté vendredi. Alors, William Maghrebi, selon vous, ce renouveau un peu des fidèles qui ont besoin justement de se donner rendez-vous à 18h et d'oublier, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, comme vous le dites si bien, Cheikh Google ou autre moteur de recherche, c'est dû à quoi ? Ce qui est sûr, c'est que le mois du Ramadan, c'est une période qui normalement devrait être celle du renforcement des liens sociaux, mais également des liens familiaux. C'est une période où normalement on doit être dans une abnégation de soi, dans une forme d'ascétisme. On s'éloigne de la nourriture, on s'éloigne de tout ce qui est mondain, tout ce qui est de ce bas monde, pour se rapprocher un petit peu de notre Seigneur, de se remettre en connexion avec soi-même et avec les gens qu'on aime. Donc normalement, ça devrait être une période où on renforce nos liens. En tout cas, selon moi, c'est ce que devrait être le mois du Ramadan. Peut-être que ça peut expliquer justement pourquoi. Nordina Oussat, même question, c'est que aujourd'hui, on a envie de se retrouver avec, entre parenthèses, le vrai Ramadan, le vrai islam. C'est dû à quoi ? On a besoin de s'affirmer un peu plus, ou on est de plus en plus fiers de sa religion ? Absolument, je dirais, je rebondis sur le dernier mot, fierté. J'ai eu l'occasion pendant mon prêche de l'Aïd d'attirer l'attention des fidèles et moi-même, ça, c'est venu comme ça, je ne l'ai même pas préparé, il m'arrive de préparer quelques grandes lignes de mon prêche. Je leur disais, vous vous rendez compte que pendant ce mois qui vient de s'écouler, dans le monde entier, sur les 4 ou 5 continents, en Australie, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, on a tous récité le même livre dans la même langue partout. Mais ça paraît anodin, trivial, quelque chose de simple, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que sur tous les continents, des milliers, voire même des centaines de milliers de mosquées, la même prière, le même rituel s'est fait en même temps, en plus du jeûne qui s'est fait la journée. Donc une union, une communion. Comment ne pas être fier d'appartenir à cette religion ? Moi, je suis très fier. Amina Dadi, lors de la première émission, d'ailleurs, où vous faisiez partie, on est revenu sur cette jeunesse qui est peut-être de plus en plus pratiquante, en tout cas à sa manière, de plus en plus proche du Ramadan et de l'islam. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que c'est peut-être dû à cette communication qui parfois bafoue aussi un peu l'islam et ses valeurs, de par aussi cet amalgame qui a créé ces ambiguïtés, parfois avec malheureusement l'actualité. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un engouement aujourd'hui de plus en plus fort. Oui. Lors de mes conférences dans les mosquées, cette année, j'ai choisi des thèmes. Par exemple, où j'ai fait partager trois personnalités de l'histoire de musulmane. Et c'est une anecdote, c'est qu'à la fin de la présentation d'une personnalité qui est le roi Négus d'Abyssénie qui s'est converti, quand je me suis retourné vers une personne âgée qui était assise à côté de moi, je l'ai trouvée en pleurs.
Et ça m'a touché, ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai réussi à faire vivre vraiment pleinement l'événement de ces trois personnalités. Il y avait des jeunes aussi qui étaient assis et qui étaient émerveillés d'écouter que, par exemple, cette personnalité, c'était Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et une autre personnalité qui est le roi Négus d'Abyssénie, et une autre personnalité, un des grands notables de Quraysh. Et j'ai fait vivre les trois personnalités dans un moment convivial où il y avait les deux générations, voire les trois générations. Et à la fin de mon cours, je leur ai dit, c'est ça. Je vous le demande du fond du cœur. Faites vivre, vivez l'événement, vivez votre religion, vivez votre pratique, vivez votre adoration, vivez tout simplement la réalité. Et la réalité, c'est ce mois de jeûne, le jeûne la journée et le soir, l'éveillé nocturne. Comment faire peut-être que pour les 11 autres mois, il y ait cette image fédérée? Alors, les fidèles ont le même comportement, en tout cas pour une grande partie, mais peut-être comment faire pour véhiculer, fédérer ou montrer tout simplement, hein, l'objectif ce n'est pas de se justifier, mais montrer cette philosophie pendant ces 30 jours. Absolument, c'est de considérer que le mois de Ramadan, c'est un mois qu'on vit de façon intense la spiritualité, mais de considérer que le mois de Ramadan, c'est une école. C'est-à-dire le jour de l'Aïd, on doit sentir comme un diplôme dans sa poche qu'on a acquis durant petite ce mois d'intense. Voilà. Une petite formation intense par rapport au Coran, par rapport aux prières, par rapport au jeûne, par rapport au non-gaspillage, à l'austérité, à, je dirais, à la modestie, l'humilité, etc. Et après le Ramadan, on va maintenir l'essentiel de ce qu'on a appris, de ce à quoi on s'est exercé pendant le mois de Ramadan pour le continuer toute l'année en attendant le mois prochain. Et je dirais juste une chose, c'est que nos aïeux, prédécesseurs pieux, ils vivaient le Ramadan, ils vivaient par rapport au mois de Ramadan. 6 mois avant, 6 mois après. 6 mois avant le Ramadan, a prié Allah de les faire vivre ce mois de Ramadan, grandiose, majestueux. Et une fois le Ramadan passé, il passe 6 mois à dire, oh Allah, ils vivent dans le souvenir du mois de Ramadan, agrée, accepte, exauce nos voeux qu'on a fait et formulés pendant le mois de Ramadan. Donc ils vivent autour de Ramadan. C'est aussi une façon de rester dans l'ambiance. En sachant que tout ce qui est acquis, tout ce qui est appris, tout ce qui est mémorisé avec plaisir, perdure dans le temps. Moi, je sais que sur le plan cognitif, si j'ai aimé apprendre telle ou telle leçon, je vais beaucoup plus longtemps m'en souvenir, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Donc, juste pour revenir sur ce que disait le Cheikh, nos adolescents, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de référentiels. L'adolescence, c'est une période très particulière de remaniement psychique, mais également de construction identitaire. Et c'est souvent ce qui manque avec Internet, avec les modèles qui sont proposés, ouais, sur le plan social. On manque de référentiels de personnes qui sont plus en lien avec notre propre religion, ou d'autres compagnons. Donc c'est l'occasion, c'est le moment d'aller à la découverte en fait de ces grands personnages, de ces gens qui ont marqué l'histoire et qui les nourrissent sur le plan identitaire, en espérant que ça perdure au-delà du Ramadan. Amina Dadi, alors cette grande journée, c'était vendredi dernier, la fête de l'Aïd, mais c'est aussi fin du Ramadan, ce n'est pas que la fête, même si nous avons ici sur ce plateau quelques gâteaux. La fête de l'Aïd, ce jour de l'Aïd, c'est la clôture, la fin du Ramadan. Qu'est-ce que dit l'islam comme message, indépendamment des cadeaux et des repas conviviaux en famille? Tout simplement, en premier, il faudrait s'acquitter de cette zakat qui va purifier ce qu'on a négligé, ce qu'on a délaissé durant ce mois béni, qui est le mois du Ramadan. Et bien sûr, ensuite, place à la fête. La fête, il faudrait qu'elle soit une fête modérée, il ne faudrait pas qu'elle soit une fête qui sombre dans le gaspillage, dans l'addiction ou dans les turpitudes et les péchés. C'est une fête de joie. C'est vrai qu'il y a chez certaines personnes, ils ont vécu peut-être une tristesse ou un pincement au cœur ou un chagrin, on leur dit place à la fête, place à la fête. Il faudrait tout simplement vivre parce que Dieu nous a ordonné de fêter ce jour de l'Aïd. Ça s'appelle l'Aïd, l'Aïd tout simplement en arabe, l'Aïd, Ya'oudou, donc il revient chaque année et il revient depuis 14 siècles, plus de 14 siècles, il revient à un moment précis qu'Allah Azza wa Jal a défini et a décrit et de décréter et tout simplement on le vit. Et mashallah, les mosquées étaient pleines,
les gymnases étaient pleins, les gens étaient émerveillés, ils étaient embellis de leurs beaux vêtements. Et bien sûr, ils se sont comportés, Dieu merci cette fois-ci, avec un bon comportement aussi. Si ma mémoire est bonne, il n'y a pas eu de débordement ou de prières de rue. Mais alhamdoulilah, les gymnases et les grandes mosquées ont pu contenir cette foule qui est venue tout simplement fêter la fête de l'Aïd. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et beaucoup de gestes interreligieux, on y reviendra tout à l'heure avec ces immersions, notamment ces iftars que Cécile Arançon a réalisées. William Maghrebi, vous êtes maman, il nous reste encore 2-3 petites minutes avant de clôturer cette première partie. Quel conseil peut donner une maman à ses enfants, à ses ados, ou à même leurs enfants adultes, pour continuer à garder cette philosophie malgré cette période de Ramadan terminée? Moi, j'espère que ça a été pour toutes les mamans une occasion de créer des souvenirs, d'ancrer dans leur mémoire des souvenirs heureux pour que plus grands, ils associent à cet événement des émotions, source de plaisir et des souvenirs voilà, qui leur donneront envie de faire perdurer. Moi, ce que j'ai fait en tous les cas avec mes enfants, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un jour de fête, de joie, de bonheur, de partage. Ça a été l'occasion pour eux de recevoir plein de cadeaux, de visiter leur proche, de visiter nos proches. C'est un jour où, je l'espère, les parents ont pu être proches de leurs enfants, les écouter, parler avec eux, s'intéresser à eux et essayer surtout de créer des souvenirs parce que c'est ça qui perdurera dans le temps. C'est les souvenirs qu'on en a mis dans l'esprit de nos enfants qui les construisent et leur permettent plus tard de perpétuer les traditions. Merci William Maghrebi. Vous avez donc Nordine Aoussat 30 secondes. Amina Dadi, vous avez aussi 30 secondes derrière. Les petits conseils, un ou deux conseils pour continuer cette philosophie et cette dynamique. Bien entendu, ça va de soi que le Ramadan, comme nous dit Allah dans le troisième sourate du Coran, ouvre les croyants, ayez la piété sincère envers Dieu et ne mourrez qu'en étant musulman, c'est-à-dire continuer dans votre cheminement en tant que musulman. Mais j'aimerais quand même rajouter aussi une chose, c'est que si nous en France, on a fêté l'Aïd dans la paix, la tranquillité, la sérénité, de par le monde, beaucoup de musulmans ont vécu ce l'Aïd de cette année dans la tristesse. Je citerai notamment les Ouïghours en Chine, parce qu'on en parle beaucoup des Rohingyas, on parle des Palestiniens, bien entendu qu'il faut parler, mais il ne faut pas oublier. Moi j'ai reçu ça samedi, c'était un maire qui revenait ce jour-là de Chine, un maire d'une ville du 94, de l'Aïleros, pour ne pas le citer, qui m'a dit de lui à moi, qu'il a entendu à l'ambassade de France en Chine, les chancelleries occidentales leur dire qu'il se passe des choses horribles. 100 000 personnes ont été mises dans des camps de redressement et on pense bien entendu à tous ces musulmans qui souffrent de par le monde. Merci. Pareil, 30 secondes vraiment, le temps passe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je rebondis sur cette école, le mois du Ramadan, cette école de réforme. Et à la fin de cette école, de cette année, de ce mois de scolarité, si on peut dire, on va obtenir un diplôme et sur ce diplôme, c'est inscrit « La'allakum tattaqoun »« Atteindrez-vous la piété ?» Donc restons sur cette dynamique de piété qu'on a acquis, inshallah, durant ce mois du Ramadan et continuons sur cette dynamique. Et il est inconcevable d'abandonner le Coran après le mois du Ramadan, il est inconcevable d'abandonner les jeûnes surérogatoires après le Ramadan, il est inconcevable tout simplement que les mosquées se vident, il est inconcevable aussi de délaisser la lecture, la lecture du Coran, il est inconcevable aussi d'abandonner tout simplement une éveillée nocturne. À nous de continuer sur cette dynamique et soyons des musulmans qui adorent Dieu durant toute l'année et non pas durant le mois du Ramadan, car le Dieu du mois du Ramadan, c'est le Dieu des 12 mois de l'année. Merci. Très belle suite. Merci à tous les trois. William Maghrebi, j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Merci à tous les deux, Nordine Aoussat. Et puis Amina Dadi, je rappelle, vous êtes imam. Merci à chaque fois d'être fidèle et de prendre du temps pour être présent sur RT Télévision. On se fait une petite pause à la suite du programme. On va parler iftar ce soir et on retrouve Cécile Arançon dans un instant.